Voilà, j'ai remis le son du jeu. Nous On est. revoilà. Nous revoilà du coup pour la deuxième partie. Du coup, Vado en Brit, Merde, j'ai Blue le Sky chat en en fond là. Verrat. Et je lance. D'ailleurs, je remarque là sur le stream, mais t'as pas l'image de fond derrière. Tu sais comment on la vire? L'image de fond, c'est dans les fichiers du jeu. Je l'ai viré dans le fichier du jeu. Ça permet que le menu soit plus réactif en fait. Ouais, parce que parfois c'est chiant, ça met du temps. Puis en plus, ça sert à rien. J'ai dû faire un topic sur le forum pour dire Oh, comment j'irai faire. voir. Alors, Brit contre Robert Commando. Ah non, Brit contre Wehrmacht plutôt, je crois. Merde. Ouais, regarde, ouais. Ce qui est chiant, c'est que l'UHD, à chaque fois, t'es obligé de le remettre. Ouais, ah Le bah c'est remettre son s'il sens, change de Brit. taille. Alors, du coup, le départ pour cette deuxième partie qui affronte Biscay à Vado. Donc, Vado en Brit, qui choisit d'ailleurs tout de suite son commandant. Revo en Austir ou Wehrmacht. Et du coup, ils ont inversé les positions. Voilà. Petit départ, le petit sac de sable du Brit, comme d'habitude. Bah là, il flambe. Surtout que là, il peut se faire péter tellement facilement. Alors, on part sur quoi? MG, grenadier, classique. Ouais. Oh, d'ailleurs, mais je pense que j'aurais peut-être fait d'ailleurs un start full grenadier contre un Brit, honnêtement. Ouais, peut-être, hein. Après, je sais pas, ouais, là, il y a des maisons sympas hein, pour les placements des MG aussi. Ouais, bon, c'est vrai. Après, faut voir, ouais. Ce qui peut être pas mal, par contre, ouais, c'est côté droit. Après, c'est de passer assez rapidement, peut-être son sapeur flammers pour les virer des bâtiments, en tout cas. Si le Brit a Ah l'idée de se bah mettre une MG dedans. là. Surtout que celle des bruits, elle couche pas, mais elle fait mal, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle fait bien mal. Ah bah il sait ce qu'il veut, Revo, hein. Prends l'étoile du mid direct. Parce qu'il va être un peu plus agressif sur ce là. Grenadier au rapport. Objectif capturé. Barbelé installé. Grenadier attaqué. Ah, il rentre dans la maison. Clôture de barbelé, tirant du génie, signale la capture de l'objectif. Deuxième grenadier. Une unité de grenadier. Un peu de pose de sac de barbelé pour empêcher les covers. Ah, quadruple. C'est beaucoup quand même. Triple. Toute son infanterie. Ouais. Oh, il aurait pu tech en soi. Enfin bref. Avec les boys AT. Une nouvelle section d'infanterie est prête au combat. Ici mitrailleuse lourde. Section attaquée. Alors pour l'instant, c'est un peu chacun son côté. Non, mais Révolution, elle a complètement coincé le côté là. Mis des barbelés. Il bloque une entrée de maison. Ah, et puis le sniper. Ah là, il va vouloir s'amuser. J'espère que Vado va sortir aussi un sniper pour s'asseoir. C'est toujours sympa, je trouve, le duel. Ah, le Un duel des V1 snipes. sniper. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Des petites Allez, mines. on voit. Côté gauche, sur la route. Enfin, un champ de mines, du coup, pour l'infanterie. Ouais. Il l'a vu. L'ennemi a coupé nos lignes. Ah ouais, d'accord. Vado qui pêche les squads en 5 instants. Perso, j'aurais plus joué sur un AE assez rapide que ça, mais pourquoi pas. Je suis un excellent tireur. Alors, il va faire quoi avec la MG? Ah, il va prendre dans le bac. C'est vicieux ça. La MG qui contourne la MG, quoi. Tout juste à la limite, sans être sur la route et avoir le red cover. Ah, le sniper qui a tiré. Nous sommes connus la
Putain, il tient bien le grenadier là. Ouais. J'ai l'impression que pendant 10 secondes, il a pas du tout perdu de vie quoi. Est-ce qu'on avait déjà pris des coups aussi, je pense. Ah, c'est baqué. Sniper un kill. Ah, et là, ça va être compliqué pour Evan. Là, il va aller directement sur le point de cut, je crois qu'il va mettre la MG dessus même. Ah, il prend la green cover et là, avec le sniper, je trouve le côté. On a sécurisé le secteur. Je lui souhaite bien du plaisir. Oh. Ah, ça va être compliqué là. Contact ! Couvrir les gars ! Scheisse, ça fait mal ! Et là, il passe ses engins en lance-flamme, il va choper tout le côté droit après. Il fait un bunker en plus. Attaque un de nos bâtiments. Non, il n'a pas le temps, ouais. Finir. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Ah, c'est tenté. Ah, mais la MG aussi. Alors, l'infanterie, elle va se faire défoncer par la MG là. Ouh, sniper, le sniper est mort. Ligne de ravitaillement. Bien joué ça. Au moins, ça s'est fait. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est pas rentabilisé le sniper là par contre. L'ennemi a détruit une de nos installations avancées. Il faudrait qu'il tacte un aussi, et voilà. Ah, la MG était bien placée quand même, du coup il a pas eu besoin de la replier, même qu'il y avait une troupe qui était dans le dos. Qu'il a contourné, ouais, bah les deux grenadiers sur le côté. Bah ouais, c'est ça, c'est du coup, hein, il a s'est pas replié tout de suite, il a attendu, et puis les grenadiers fassent le boulot. Ah, c'est dangereux ça, par contre, les trois. Il a enterré les backraps, ouais, ça va être sandwich là. Ah, il préfère se replier. Ah bah il faut, hein, parce que là. Il le gêne par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a pas refait. On peut faire comme dans les véhicules un peu pour gêner les replis. En fait, tu fais gauche droite et ça, il reste la unité reste coincée dans tes troupes. Oh l'enfer. C'est ce que j'utilise un peu de fois des fois quand j'ai le temps de le faire. Avec un T2 sur retard là, franchement il pourrait rusher T3, ça aurait du sens. On peut déployer des grenadiers d'assaut sur le champ de bataille à présent. Grenadiers d'assaut, why not. Attendent vos ordres pour se déployer, commandant. Allez, il va peut-être attendre pour faire le groupe d'assaut mécanisé là. Ouais, peut-être, hein, je sais pas. Là, il a Vado, du coup, a pris les boys, mais il n'a pas sorti. Donc, a priori, Vado, c'est pas encore qu'il a. Revo ne sait pas encore qu'il a fait ça. Non. Je sais pas s'il veut Astrak l'enfant peut-être, il veut peut-être faire. Je sais pas. L'ennemi a brisé nos lignes de ravitaillement. Mmh, ça ferait tard, puis il a pas beaucoup de. Ouais, peut-être qu'il a vu le passage en 5, il s'est dit peut-être qu'il y aura pas d'AEC donc. Non, ouais. 2-2-2, c'est 2-2-2. La grenade. Non, ça va. Il y a des boys de sortie. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Et du coup, ça qu'on a 5 squads d'infanterie là sur le terrain quand même. Ouais, ça fait du monde. MG, On a interpéré. Il a repris ses ressources en tout cas, Vado. Ouais. Je suis pas convaincu par les grenades, pas. J'ai peur que passer un mec du niveau de Revo soit un peu inutile malheureusement. Ah, la squad sur le bac. Ouais, je sais pas s'il va le suivre dans la base. Ah, il va peut-être l'avoir ce. C'est le bloc, il va essayer de le bloquer, je pense. Ah, il va, allez. Bah, l'anti-char il est loin, il peut se barrer par l'autre côté. L'ennemi s'est envahi. Ah, il l'a eu. Il va pouvoir faire le tour. L'ennemi menace un point de capture. Les salauds. Bah, il peut même aller pouvoir choper la squad sur 30 cap et le carbu, je pense. L'ennemi a coupé notre ligne de provision. L'avantage ça c'est l'avantage d'avoir un véhicule rapide. Hein. Tu fais le tour et il n'y a pas de mine.
Ah, par contre, l'infanterie brite sur la MG au milieu là. Oh, ils sont pas là. Ouais, sauf qu'elle passe sur la route. Ah, heureusement, ils sont. Heureusement pour elle qu'ils étaient pas un peu plus rapprochés. Hein, parce que c'était fini pour elle, hein, je pense. S'il avait tiré vraiment quand il était passé sur la route. Il y a encore une squad là. Oh, là, là. On perd un point de capture. Pour de vrai, je l'ai jamais vu, mais ils sont malins, c'est bon. Mais dangereux aussi. Ouais, il tient bien quand même, Bado. Après, il faudra voir le passage. Notre ligne de provision est rompue. Passage véhicule. Si. Il fait un comment assez. Ça se passe. Le canon anti-char commandé est prêt. Le 2-2, c'est forcément. Ils veulent plutôt jouer sur les mines et sur l'infanterie anti-char qui dort. Là, il pourrait être quitté de phase 2 là. Il a fait des grenadiers. La phase 2, non, pas encore. Hein. Du coup, pas encore faite. Côté Vado, pas de choix AEC ou Beaufort. Ah, Beaufort serait quand même. Il a fait par contre Piat là. Mise à jour avant. Les renforts sont prêts. Un transporteur de provisions et de sections d'armes est disponible. Il y a toujours derrière le champ de mine qui traîne sur le côté gauche là. Il y a moyen que ça surprenne ça un moment. Ouais, sur un petit repli sur le côté ça pourrait. S'il avait fait un repli sur la maison, entre la maison et le bosquet, ça pourrait le faire. Là, ouais, j'aurais pu se faire un mortier. Ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point. Une nouvelle section d'ingénieurs attend des ordres. Il y a les Panzeranelli qui commencent à faire le taf quand même aussi. On est en train de contourner là. Un point de capture est envahi. J'avoue que je suis curieux du deuxième sniper. Je sais pas trop pourquoi je sais. L'armée de Fred Carnot, formation. Il voulait réussir avec le premier, comme le premier du coup. Hein. C'est ça. Il retente sa chance. C'est peut-être fixer un objectif de kill avec. Bah c'est vrai qu'il se dit finalement il y a beaucoup d'infanterie, il y a que de l'infanterie même donc. De notre territoire. Pourquoi pas tenter. Ouais pourquoi pas. En plus, ceux qui a pas de mortier, ouais. Je veux dire il y a pas vraiment de, à part l'infanterie, ouais, de raison de le perdre. Le choper d'une manière inopinée quoi. Alors quand même que... Ouais la MG là elle fait mal hein. C'est vrai que pour virer la MG en plus des bâtiments... Va être pratique. Et Vado qui a toujours pas attaqué pour les chars alors que pour s'en tirer bientôt. Il a mis une mine d'ailleurs Vado sur le côté gauche là. Sur la route. Ouais. Il voit venir les flancs. Qui passe un peu mineur sur sa peur. Ouais. Alors là, faut le sortir en pack. T'es qui et faire un shoot de rack pratiquement en même moment en fait. Ouais je sais pas, je pense qu'il pense qu'il doit être au niveau des véhicules Vado alors que pas du tout en fait là quand. C'est que nous quand on voit ça que. C'est y a, ça, y a pas du tout de possibilité de véhicule là. Il doit se monter un peu dans la tête. Nous perdons un secteur. Il a dû se dire, je sais pas, il doit se dire il voit que de l'infanterie, du coup il a dû accumuler pas mal de ressources. Dans un sens, il a pas tort, hein, là, dans. En moins d'une minute, il peut lancer un cromwell. C'est vrai que le pack a fait, du sens, mais.
La grenade t'y a rien fait pratiquement. Ouais. Notre point de capture. Ils essaient de le prendre. Hop. Ah bah tiens, Cromal de lancer. C'est bizarre, l'ingénieur royal, il l'a complètement oublié quoi. Il essaie de prendre un de nos points. Depuis qu'il a posé la mine sur le côté gauche là en haut, et il a pas bougé quoi. C'est dommage ça. Ouais, parce qu'il aurait pu capturer son revenu, reprendre son essence quoi. Il aurait pu le passer en démineur aussi. L'ennemi menace un point de capture. Les salauds. Là il est en train de se faire manger Vado par contre. Ouais, c'est vrai qu'avec le sniper, hein, tu laisses tes troupes un peu sur les couvertures et puis après tu avances au fur et à mesure, tu grappilles. Le Cromwell du coup, de Vado qui va sortir. Ah d'accord, je savais qu'il y a contre le Stuk 3. En fait, révolution. Il veut jouer avec le tigre je pense. Ouais, en plus il va être buff le Stuk 3E dans le prochain patch. Ah bah tiens, il est en train de couper les... Sauf qu'il est déjà pas mal hein. Non, les gens disaient que c'était pas trop utilisable. Je sais pas, parce que là, après c'est la dernière fois que je l'avais vu dans en tournoi, donc je sais pas si entre temps ça a été changé peut-être. Hein. En tournoi ça fait longtemps. Sur les derniers tournois, je crois qu'il y a personne qui a sorti en... Ah tu vois là, premier tir il fait pas grand chose en fait. Hein. Ouais c'est vrai qu'il a tiré dans le tas, ouais ça a pas fait de mort. Je crois qu'ils vont augmenter ses dégâts de dispersion. La rage d'artillerie légère à votre service. En fait. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. On reçoit des tirs. Attends, il a l'AMG là. Avec un territoire. Il a dû faire tir au sol pour tirer aussi loin son véhicule. Je sais pas. Ah les ingénieurs royaux, ouais, il est back. Ah il a les deux fuels. Ah, ouais. Puis pose des mines. Où ça? Côté gauche, entre les deux petites maisons. Ils essaient de le prendre. Heureusement le 2-2 n'est pas passé par là en fait, c'est une mine à Vados ça. Ouais c'est une mine à Vados. Ah il est en train de poser des mines S aussi là sur le gauche. Ah ouais, Panzer Shrek aussi en t-char. Ça va être complexe là pour le Cromwell. Ah mais sans AOC les Anglais quand même. L'ennemi est déterminé, il n'y en a plus que 300 points. Nos troupes sont prêtes à se retrancher derrière le soutien aérien. Oh. Dans la maison, là, la plus chère de gens. L'ennemi a une de nos sections. Oh là là là, le repli là, c'est dangereux ça. Ah, puis ah, les deux squads de perdu instant. Oh là là. Ouais, quand t'as un champ de mine, faut faire très attention à comment la troupe va se replier. Parce que là, ah, c'est violent là. Un point de capture est envahi. Deuxième squad de Panzer Grenadier. Ah, ce truc là il a 300 d'essence là donc je pense qu'il va attendre les 13 points et après c'est direct. Ouais, ça je pense qu'il veut son tigre. Tigre. Bonne utilisation du Stug en tout cas. Fait le taf. Ah, il tire quand tu fais tir au sol, il tire quand même vachement loin. Hein. Ouais. Ah ouais, non, nous avons reçu de nouveaux Panzer Grenadier. Puis bon, l'infanterie de la Wehrmacht, même quand elle allait à l'AMG un peu vête, ouais, ça fait tellement mal. Terminé. On s'attend d'avancer par la droite.
l'adversaire s'empare d'un secteur. Sniper qui continue à tirer quand même. Ah ouais, 14 kills. De rien. Ah, c'est pas mal hein. Là le cramoil il est un peu bloqué quoi. On devrait en avoir du char, il y a un pack. Les fausses qui traînent. Une telle heure qui est placée. Ah puis la MG là. Ah, voilà. Elle est morte. Section de mitrailleuse lourde éliminée. Le cramoil ouais, va là, peut-être y passer. Le cramoil il commence à prendre des coups aussi là. Ah non, il a pas voulu avancer pour. Ah là il va se faire par les Panzergrenadiers. Ah c'est toute la NG là, il l'a récupéré, il va la mettre sur le point de cut. Ah c'est... Oh puis encore une fois, ouais ça me paraît un peu fini. Oh là là, le Cromwell qui va être fini par le 2-2 peut-être. Ah il le coince. Ah non, il a pas réussi à pas repasser derrière. Ah il y a tellement plus de vie en plus. L'ennemi nous inflige des pertes. Ah, s'en est fallu de peu. Mais là honnêtement il court comme avec le Shtug et c'est fini hein. Je sais pas pourquoi il le fait pas d'ailleurs. Il patiente. Pour le Reich. L'ennemi est descendu à 200 heure. Points. Ouais, bah, et c'est fini du coup. De l'autre côté quand on voit l'état de la carte aussi. Ouais bah là ça va être compliqué, c'est là il a plus beaucoup de troupes, là le Cromwell qui est à moitié mort, il a pas de quoi le réparer pour l'instant. Les ressources de Revo sont énormes là, il a les pouvoirs dans deux points sortir le tigre directement. Non, ça aurait fini la partie ouais. Ouais. Du coup ça fait 2-0 pour Révolution. Ouais. Alors je regarde un peu les stats, j'affiche un peu, hop. Du coup ils vont changer de carte là ou pas? Je crois que la troisième, ouais, ils changent de carte il me semble. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ça du coup? Bah on fait comme tout à l'heure une petite pause, une ou deux minutes, et après on revient pour la troisième manche. Allez à tout de suite.